Eh ben, bonsoir tout le monde, on se retrouve, oui c'est le soir, ici actuellement, on se retrouve pour une... Allez, on est où ? Ah, attends. Du coup, on se retrouve pour une petite vidéo informative, surtout pour les personnes qui veulent avoir un reptile, mais qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter tout l'équipement dans l'immédiat. Alors là, je vais parler surtout pour les personnes qui peuvent avoir... un reptile dans le temps, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir lui apporter du temps, de la nourriture et un emplacement, mais qui, pour acquérir évidemment ce qui va être le terrarium, tapis chauffant, thermostat, de l'UV si besoin, etc., et ben ces personnes-là, c'est pas forcément facile dès le début d'acheter tout groupé pour avoir leur reptile. Donc évidemment, vous pouvez. C'est pas parce que vous avez le terrarium que faut vite se presser d'acheter tout le reste. Vous avez largement le temps, donc vous pouvez faire vos achats en plusieurs temps avant d'avoir votre reptile. Mais il existe surtout une manière un petit peu plus éthique, si on va aller par là, et qui peut vous faire économiser de l'argent et peut sauver aussi des reptiles. Alors cette méthode, c'est, on va dire du coup, la seconde main ou surtout la seconde chance, on va l'appeler. C'est-à-dire que principalement, il m'arrive de voir, c'est même très très souvent, des personnes, des propriétaires d'animaux, de reptiles, là dans l'occurrence, qui, les raisons principales vont être déménagement, divorce par exemple, et qui ont des reptiles et suite à ces raisons-là, ne vont plus pouvoir en fait s'occuper de leurs reptiles, ou n'auront plus le temps, ou n'auront plus la place, ou même l'argent tout simplement, de s'occuper de leurs reptiles. Alors ce qu'ils font généralement, ils vont mettre en vente tout, c'est-à-dire qu'ils vont mettre le reptile en vente, le terrarium, le tapis chauffant, les décors, tout en fait. Toute l'installation sera complètement en vente. Et là vous pouvez vous en tirer pour un prix pas trop mal. Dans la capuche. D'accord. Tu viens ? Ah oui. Oui, elle y est. Bon, il reste un petit peu, on va terminer la vidéo. Donc du coup, c'est-à-dire que selon l'espèce que vous allez prendre, évidemment, ce ne sera pas les mêmes prix pour tous les terrariums et l'espèce évidemment qui est comprise avec, mais vous pouvez vous en tirer, je ne sais pas, en moyenne, on va dire, entre 200 et 400 euros en petite moyenne. Parce que du coup, ces personnes-là vont être assez pressées suite à des contraintes personnelles, ou même des fois professionnelles, et du coup, ils vont être obligés de se débarrasser de leurs reptiles, en l'occurrence. Ça peut être pareil pour des chiens, des chats, mais là, je parle uniquement reptiles. Donc du coup, où trouver en fait ces personnes-là? Vous pouvez les trouver principalement. Alors, il faut évidemment faire très attention avec tous ces sites-là, mais il y a évidemment le Bon Coin. Donc, faites très attention avec le Bon Coin. Vous avez aussi les pages Facebook, par exemple. Faites aussi attention avec Facebook. Il existe aussi des sites avec des associations, justement, qui vont référencer tout ça. Donc, surtout pour tout ce qui est le Bon Coin, Facebook, et même en général, renseignez-vous à l'avance. Déjà que la personne ne soit pas un escroc à l'autre bout de la terre qui essaye juste de vous tirer de l'argent. Donc, ne faites pas de paiement anticipé, ne donnez pas votre RIB, ni d'empreinte de carte bleue. Si vous prenez, prenez-le uniquement sur place et payez uniquement sur place également. Si vous avez 5 heures de route, par exemple, vous allez chercher à 5 heures de route tout l'ensemble, assurez-vous à l'avance, évidemment, que pour le retour, si vous prenez, que vous ayez de quoi chauffer votre reptile, que vous ayez une chaufferette avec vous, un petit peu d'eau, etc., ou quoi que ce soit, ou au moins déjà le chauffer le temps du trajet. D'avoir la place également dans la voiture, parce que si vous avez une toute petite voiture et que vous récupérez un gros terrain, vous n'allez pas le mettre sur la galerie. Assurez-vous aussi, au moment de récupérer votre espèce, tout simplement de vérifier déjà que l'installation est correcte, c'est-à-dire que les terrariums ne soient pas fissurés, que les tapis chauffants soient bien fonctionnels, que les fils ne soient pas dénudés, que les fermetures ferment correctement, que tout l'équipement soit conforme. Et aussi, bien évidemment, le plus important, que votre reptile, que lui vous allez recevoir, soit évidemment en bonne santé. Parce que si vous payez, 400 balles pour un terrarium qui est fissuré au niveau du verre, qui ferme mal, et un serpent qui a une infection par exemple, et vous allez devoir retourner chez vous, payer un veto, une blinde, et du coup racheter un nouvel équipement, un nouveau terrarium, donc au final vous aurez perdu de l'argent et du temps pour rien. Donc très important, renseignez-vous beaucoup auprès de la personne avec qui vous allez faire justement cet achat, parce qu'évidemment vous n'allez pas acheter neuf le terrarium, il est d'occasion, donc il a du vécu, donc il faut évidemment le prendre en compte.
Pareil pour votre animal, il a forcément quelques années de vie ou au minimum quelques mois. Donc assurez-vous qu'il soit en bonne santé, prenez le temps de l'inspecter, même limite le manipuler pour voir si tout se passe bien. S'il y a des frais de veto antérieurs, et ben, du coup demandez-les à la personne. C'est comme une voiture quand on achète par exemple, ben, on demande le contrôle technique, les frais qui ont été faits. C'est exactement le même principe. Donc voilà, donc déjà sur un point de vue financier, vous allez pouvoir vous y retrouver. Parce que déjà, bah, au moins si vous allez payer entre 200 ou 400 euros le tout, et ben, des fois ça c'est juste le prix d'un terrarium sans rien. Sans l'espèce, sans les tapis chauffants, sans les thermostats, sans les UV, sans les bols de flotte, sans les cachettes, sans rien. Donc vous allez pouvoir avoir un terrarium totalement équipé avec l'espèce dedans. Donc ça c'est déjà super grande économie. Et en plus de ça, vous allez donner une seconde chance à un individu. Parce que bah, malheureusement, il y en a certains qui vont être abandonnés, qui est dramatique. J'ai fait une vidéo même sur tout ce qui est abandon, sur la maltraitance animale, et voire même pire, hein, ils peuvent bah, justement les tuer exactement pour pas les garder, etc., parce qu'ils ne peuvent pas. Donc évidemment, ces personnes qui vont céder leur petite bête, eh ben, le font à contre-cœur, hein, bien évidemment. Il ne faut pas blâmer ces gens-là. Si elles s'en séparent, c'est vraiment qu'elles n'ont plus la possibilité de s'en occuper. Et c'est aussi un effort de vouloir la faire vivre dans un autre foyer, parce que certains, comme je vous ai dit, vont pouvoir l'abandonner, voire pire. Donc voilà, plusieurs avantages. Donc si vous n'avez pas trop les moyens dans un premier temps, et même simplement il peut y avoir un super beau terrarium que vous avez vu avec une espèce que vous adorez, et bien vous allez vous dire, voilà, au lieu de tout racheter et en avoir pour 1000 balles au final, et bien pour 400 euros, le terrarium est tout équipé, l'espèce elle est déjà dedans, et en plus c'est une bestiole que j'aime particulièrement. Et en plus, on lui donne une deuxième chance et on va alléger le poids mental d'une personne qui malheureusement doit s'en séparer. Donc je vous recommande cette alternative dans un premier temps. Donc certes, vous n'aurez pas un terrarium neuf au début, vous n'avez pas un juvénile qui vient d'éclore entre les mains. Mais bon, ça je veux dire, c'est pas grave, hein. Un serpent par exemple ou un gecko, c'est pas une espèce qui vit que un an. Hein. Ça vit relativement longtemps, donc vous aurez largement le temps de vous en occuper. Et quand bien même, une fois que l'heure fatidique est arrivée pour le serpent de vieillesse, eh ben, le terrarium, lui, ne décède pas. Vous pouvez toujours l'aménager, rajouter des éléments, en changer, etc. et réintroduire une nouvelle espèce. Donc, rien n'est perdu, c'est le cycle de la vie pour tout. Donc, il y a un début, il y a une fin, voilà, c'est comme ça, faut faire avec. Voilà, c'était le petit conseil, une petite vidéo très courte pour vous dire qu'on n'est pas systématiquement obligé d'avoir du neuf et du jeune. On peut avoir de la seconde main, tout en voilà en donnant de l'espoir à une nouvelle espèce et avoir une nouvelle famille. Bonne soirée à vous.